Tu viens pour les enfants? Oui, c'est vous que j'ai eu au téléphone? Je suis Utu Lapane, guérisseur du clan Tepechai. Merci, mais je me demandais... C'est du kava. C'est des racines que j'ai mâchées. Et recrachées. Excusez-moi, je nettoierai, mais... Avant, j'aimerais savoir ce qui se passe ici. J'ai croisé quelque chose de très étrange sur la route, et j'aimerais savoir si c'est dans relation avec les disparitions. Est-ce que vous pourriez me parler un peu du village, les suspects, les histoires, ce genre de choses? Non, mais cool, le kava. C'est une boisson très relaxante. Et là-bas, le Khwada, loin de toi, il y a un pays des Kaba. Mais il y a Abou, il y a Libéla, il y a un Khabod là. Il y a ouf, il y a un Kaba. Ok, ok, merci, merci pour tout. Merci pour le Kaba, tout le tralala. Mais là, je sature. Je me suis fait attaquer par un je ne sais quoi en arrivant. Je me suis tapé 8 heures de route. Donc ce que je vais faire, c'est remonter dans ma voiture et rentrer chez moi. Bonne journée. Impatient. Trop impatient. C'est bien moi qui t'ai appelé. Depuis plusieurs lunes, des enfants disparaissent la nuit. Mes pouvoirs sont insuffisants face à ce problème. C'est pourquoi j'ai fait appel à toi, car tu es le seul à pouvoir percer le mystère de Tepechai. Ah bon? Et de quel mystère s'agit-il? Vous savez quelque chose sur les disparitions? Des questions. Beaucoup trop de questions. Maintenant, va. Je n'ai plus rien à te dire. Va à la case au bout du chemin. Là est l'endroit où tu te reposeras. Mais attention, ne sors pas la nuit, car maintenant... Il connaît ton odeur. Alors maintenant, on va savoir ce qui se passe ici. Personne ne parle, les gens ont peur. Ils se cadenassent à la tombée de la nuit. Les gens flippent et ça se sent. Maintenant je veux des réponses et plus de blabla chamanique à la con. Je veux du concret. Et Yanou, ça ne veut dire rien? Alors tu as trouvé. Bien. Je crois que je te dois des explications. Ça serait pas du luxe. De sombres secrets enveloppent le village. Un mal très ancien est à l'œuvre sur ces terres. C'est cela que je vais raconter. Au temps d'avant les Blancs. Temps où la terre était encore habitée par les ancêtres. Les Kanaks étaient nombreux à se toucher comme les arbres de la forêt. En ce temps-là, une tribu surpassait toutes les autres, car son chef était un grand guerrier. Son totem était le tonnerre, et on racontait qu'un sort le protégeait, lui et son coup, le rendant invincible. C'était le clan ancien de Tepechai. Les autres clans enviaient cette puissance, mais n'osaient pas défier le chef de Tepechai. Un jour, le grand chef des Naadou réunit toutes les tribus de la région sous la lune. Sauf les Tepechai. Pendant le conseil des tribus, le chef des Naadou fait une alliance avec les autres chefs contre les enfants du tonnerre, amorçant ainsi le temps de la guerre. Les batailles se suivent et les hommes ne voient plus la fin. Un jour, pour se venger, les Naadou capturent et tuent le fils du chef des Tepechai. Le chef, pour se venger, furieux, il envoie un groupe de guerriers sous la lune au village Naadou. Et ils massacrent les hommes et les enfants pendant leur sommeil, privant ainsi leur code d'enveloppe. Ce sombre épisode est appelé le Grand Massacre. Mais avant de succomber sous les tamiocs, le sorcier Naadou invoque le totem de son clan, l'ombre de la lune, Yanou, l'implacable chasseur. Depuis, il se met en chasse toutes les lunes. Et il emporte nos enfants pour exterminer notre clan. C'est pourquoi j'ai fait appel à toi. Car toi seul peux réparer les erreurs du passé. Tu es un blanc. Tu n'es pas influencé par les esprits. J'ai dit. Que voulez-vous que je fasse? Thank you.
chanter la pluie sur les montagnes? Qui fait pousser l'igname et le tarot? Qui a mis les hommes au monde? Nous avons fait tout cela et plus encore. Nous sommes le tout. La nature. Enfin, tenez. Nous te remercions, étranger. Maintenant, dis-nous ce que tu cherches. C'est Utu qui m'envoie pour détruire Yanou. Nous connaissons Yanou et nous vous aiderons. Prends ce fétiche. Il t'aidera à maintenir Yanou en toi. Pardon? Non, parce que je pense pas avoir bien compris. Je dois faire quoi avec Yanou? Yanou sera attiré par le fétiche. Et il prendra la place du coup. Toi, tu devras le maintenir en toi pour que Utu puisse le détruire. Attendez, je vais me faire posséder par Yanou, c'est ça? Mais pourquoi vous faites rien? Vous êtes les dames de la nature. Nous ne maîtrisons pas la nature. Nous sommes la nature. Maintenant, on va faire ce pourquoi tu es fait. Utu, c'est nécessaire de m'attacher à l'arbre? Non, c'est pas que j'ai peur, mais t'aurais pu me laisser une chance de défendre. Et puis j'ai envie de pisser, là. Il arrive. Alors ça y est, Utu. Alors mon ami, comment te sens-tu? Ben, un peu barbouillé, je te l'avoue. J'ai encore quelques morceaux de démon dans l'estomac, mais ça va. Ah Conrad, ton humour va me manquer. Mais ne peux-tu pas rester encore un peu? Non, je dois partir. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Non, mon ami est bien. Et si ton choix est fait, mon frère, pas. Mais n'oublie jamais ce que tu as vécu. Garde ce souvenir vivant dans ton cœur. Tout, je vois pas comment on peut oublier quelque chose de si extraordinaire. Beaucoup de gens, hélas. Trop de choses sont perdues, mon frère. Les temps changent.